Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Dark Angel 1462, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite et sûrement la fin du scénario de Léon, le scénario A. Et nous étions restés dans les égouts où Ada s'est échappée et apparemment a eu des petits problèmes. Donc je ne sais plus trop ce qui se passe avec elle, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le scénario que j'ai moins fait, mais on y va de suite. Donc Léon est blessé forcément, il s'est pris une balle de la part d'Annette. Et nous redescendons, voilà, suite à la sauvegarde. Et j'ai oublié quelque chose. Quel idiot! On recommence. On remonte. Si je commence déjà les égouts sans le matériel, ça va pas aller, j'ai envie de dire. J'aurais dû le prendre d'ailleurs dans la dernière vidéo avant de vous quitter d'ailleurs. C'est dommage. J'ai oublié de prendre la valve parce que j'en aurais besoin comme d'habitude. Non, merci, je ne veux pas sauvegarder. Donc, la valve, on va la prendre. Par contre, niveau inventaire, j'ai peur d'être limite quand je vois ça. On va enlever les cartouches de pompe. Voilà, c'est bon, on peut reprendre, c'est bon. Donc, logiquement, j'ai envie de dire logiquement, comme c'est le scénario que j'ai le moins fait, je pense que le croco, là, c'est pour Léon. Cette fois-ci, il sera pour Léon. Donc, c'est là-bas. On avait pris le plan avec Aïda, c'est bon. Et là, elle est passée par l'aération. Et donc là, on ne pourra plus forcément. Alors, par contre, le médaillon. Je crois que je l'avais eu dans le scénario de Claire. Hein. Léon B, je crois. Hein. Est-ce que là, il y est? C'était dans le scénario B. Ah non, non, scénario A, Léon, carrément, c'est que Léon alors. Par contre, il y a des balles là. Merde. Enfin, on va déjà aller mettre le médaillon. On va être tranquille, on va gagner une place. C'est pas grave. On va finir le Mathilda. On va utiliser toutes les balles de Mathilda ici. Comme ça, après, on pourra s'équiper des grosses armes. Hop, de toute façon, au fond, il n'y a rien. Donc, c'est là, après, ça va beaucoup changer là, le scénario. Alors, avant d'y aller, hop, on va l'installer, on va gagner une place dans l'inventaire. Vite, avant de me faire empoisonner. Je n'ai pas du tout envie de me faire empoisonner, voilà. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, les putes. Oh les petites méchantes. J'ai pas dit le mot, j'ai hésité, mais non, non, on est sur YouTube quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Rien, il n'y a pas de cinématique, rien. Ok, avec Léon, il n'y a vraiment que dalle là. Oh. C'est quoi ce scénario? Ah là, il est super plat. Mais bon, je continue à dire que la Ada dans Resident Evil 2 classique est beaucoup mieux que dans le celle du remake. Hein. Là, ça peut être beaucoup trop, agent du FBI, caractère de merde, pas du tout compatissante à rien, quoi. Elle est froide. Hein. Là, elle est beaucoup mieux. J'aime bien. Elle est attachante dans celui-là. Allez, on fait remonter ça vite fait. D'accord, des cartouches. Oh là là, toutes les cartouches. Et c'est vrai qu'il n'y a plus Monsieur X, il n'y a plus le tyran. Donc, du coup, les cartouches. Je devrais peut-être en utiliser. Hein. On va pas se priver bientôt là. Hein. On va bientôt abandonner le Mathilda. Hein. Allez, vas-y, on va se prendre une petite herbe quand même. Hein. On va prendre la deuxième, ça sert à rien. On sauvegarde jusqu'ici, juste ici, oui, pour ceux qui seront en galère. Donc, Ada, je ne sais plus du tout ce qui se passe avec elle. Il me semble que c'est le crocodile qui l'attaque, mais il y a un truc là. On avait vu qu'à la fin de la cinématique, Ada était en panique. Il se passait quelque chose. Dans tous les cas, on est obligé de la retrouver. Sévère, je peux ouvrir. Ah bah voilà. Elle espère buter le croco? T'espérais vraiment buter le croco comme ça, ma vieille? Moi, je serais tenté de le buter au Mathilda, en fait, je pourrais. Hein. Je sais pas si ça le tuerait, en fait. Ah non, on va pas, on va pas, on va éviter le game over quand même. Hein.
On va poser la bonbonne. Voilà. Allez, prends-la. Fais-moi plaisir, vas-y. Mange. Parfait, on tire dedans. Et voilà. Moi, je comprends que dans le remake, ils aient eu du mal à faire hein, quand on voit de boss avec le croco. Hein. C'est assez logique, on peut pas trop leur en vouloir. Hein. Alors, on ouvre la porte et on va voir Ada. Est-ce qu'il y a des choses ici? Oui. Non, je n'en veux pas de ton ruban. Ouais, non, il n'y a rien. Allez, là, le petit bandage. Là, on le verra cette fois-ci, vu qu'il y a le costume normal. Leon. On est déjà. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. Oui, je te fais un bandage, ça ira mieux. That's two I owe you. Don't mention it. Si, si, compte les points, compte les points. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Allez, partons. Alors, nous allons prendre le deuxième médaillon. Et voilà, on est déjà parti pour le labo, les gars. Et 6, 7 minutes, on est déjà au labo. Vous avez vu, hein? Eh, rapide, hein? On y est presque. Enfin, on y est presque pas encore, mais bon. Ouais, c'est une partie qui va bien faire une bonne heure facile, hein, à la dernière. Hein. Avec les cinématiques et tout. Ça va durer. Oups. Voilà, ici, hop, petit raccourci. Ok, j'ai mal fait, merci. Voilà. Voilà. Ouais, ben voilà, on va pouvoir partir directement à la zone désaffectée, l'ascenseur vertical. Mais il doit se passer. Là, il me semble qu'Aida ne doit pas se faire blesser. Il n'y aura pas le G, il me semble. Bon, comme d'habitude, on va reprendre quand même la clé du casier et tout. Hein. On va pas se gêner. On va améliorer nos armes. Hein. Allez voir Ada, elle a envie de mourir. Hein. Allez, et les échos se passent quand même vraiment plus vite que dans le remake. Hein. Le remake, ça met trois plombes. Hein. Ah, dans le remake, quand même, bon, c'est... Ok, c'est dans le jeu classique, mais les égouts sont super longs et frustrants, quoi. J'adore hein, le remake, mais c'est vraiment frustrant, quoi. On passe une heure et demie dans les égouts, c'est chiant. Alors, c'est dans le scénario B qu'il y avait les caisses de pompes dans l'étagère, il me semble. Hein. Enfin, sur l'étagère. Hein. Je suis pas fou. On va y retourner, mais il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Allez, prenons un peu le tramway, le téléphérique, là, comme ils l'appellent. Voilà. Alors, boss ou pas boss? Moi, je dirais pas boss, hein.
Voyons voir. Ah bah si, y a boss. Ah bah si, si, si. Oups, je vais me faire avoir. Oh, c'est le pistolet, on s'en fiche. On gaspille les balles. Voilà. Ah, ça dure. Voilà. C'est bon. Allons-y. Donc, je vais pas vous faire le coup du lance-roquette, hein. On l'allume au briquet et on voit la clé forcément, et la clé est ici. Ah, oh, ça va, on est pas mal, on est pas mal. Touche au but. Alors, je veux passer par là, merci. Wow. C'est obligatoire pour moi, les gars. Ramasse. Merci. Là, j'ai eu peur, il se baissait pas, mais si ça marche pas. Il est bête ou quoi? Allez, le méga pompe qui déboîte sa maman. Hop, et on libère une place avec les balles. Alors, où sont-ils? Je vous attendais, messieurs. Magnifique comment j'enchaîne. L'autre côté à droite, c'était des herbes. En haut, je veux dire. Est-ce qu'on y va? On va aller voir quand même, parce que... Bon, bah, normalement, c'est fini, là. Hein. On a deux balles. Attendez, on va y aller aux pompes. Putain. Hein? Allez! Bouffer! Ah, oh, ça fait mal, hein. C'est bon. Alors, normalement, je devrais pas voir. Comme là, Léon arrive le premier sur les lieux, je devrais pas avoir à récupérer la clé. Je devrais juste aller directement à l'ascenseur, c'est bon. Alors, on va virer ça, bien sûr. Ça, c'est pareil, on le vire. La clé casier, on n'en a pas besoin. Par contre, vu que c'est le boss, hein, c'est le gros boss, on va quand même s'équiper. On va prendre une herbe quand même. Hein. On va se prendre une herbe full. J'ai pas énormément de soins en fait. Hein. Sans les sprays, j'aurais peut-être ramassé plus d'herbe. Les cartouches de pompe, ça y va. Putain. Balle magnum, j'en parle même pas. Ça va être blindé aussi à un moment. Je pense qu'il y a une partie du labo, hein, moi j'utiliserai que le magnum peut-être. Ou alors j'aurais besoin de balle dans cette partie, parce que c'est vrai que Monsieur X m'en a donné un chargeur ou deux, je crois, à un moment. Ouais. Ouais, c'est l'heure du fight. 15 minutes, on est au labo, c'est très bien. Oh là là là. Ça me perturbe quand je prends rien en fait, quand je prends pas les documents alors qu'il n'y en a vraiment pas besoin. On va aller chercher la clé. À l'intérieur.
Ada va se faire blesser comme d'hab. Sauf que là, normalement, comparé au scénario précédent, au B, on va pouvoir descendre et arriver à l'entrée du labo. Il va laisser Ada ici. Et à un moment, bah, elle va disparaître. Donc là, on ne commence plus à l'étage du dessus avec la chaufferie et tout ce qu'on veut. On commence au labo. Et c'est le contraire, ça va être Pierre qui va commencer la chaufferie. Salle des moteurs et tout. Hop, utilisons la clé. Ok, tu veux pas. Il y a une serrure, bien sûr. Après, je sais pas comment elle fait pour survivre juste avec son gun. Hein. Voilà. Ada, Ada, can you hear me? Come on, snap out of it. Allons lui casser la tête. Come on, snap out of it. Oui, il n'est plus possible d'entrer, je sais, je suis obligé de le combattre. On va aller lui casser la tête, moi je vous le dis. Voilà, donc là c'est la première phase encore et Claire aura la phase encore plus forte. Scénario B, il est plus fort. Et en plus on a le tyran. Musique les gars, musique. Ah là 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 là. Oui. J'allais le dire, oui. Je me lasserai jamais de cette musique. Par contre, le pompe, il est peut-être puissant, mais il a un recul de fou qui fait que je suis mal. J'arrive au bout, les gars. Je suis mal. Ne me dis pas qu'il va me déglinguer. Oh non! Bon, il est au bout de ses forces. Partons. Je suis faible. Ah, aux pompes, c'est plus long que lance-grenade. Hein. On va le bourrer. Je peux mourir, merci. C'est bon. Putain, j'ai 52 cartouches de pompe, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Allez, tombe. Reste par terre, ouais, t'es mort, tu tombes par terre. Voilà. Donc c'est bon, on est sur la bonne voie. On est tout en bas. Don't die on me, Ada. Come on, wake up. Come on. Salut, un bisou. Ah non, il la laisse pas là-dedans. Attendez. Ah non, c'est dans l'autre scénario. Je suis con. Non, il allait. Oui, c'est elle qui va en salle de repos finalement. Salle de sécurité. Non, il l'avait laissée là-dedans et moi quand j'y suis allé, elle a disparu. Voilà. Mais c'est vrai que Chérie, dans le scénario B, va bien, elle n'a pas besoin de la salle. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll
only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Ah là là, elle est beaucoup plus touchante. Dans le remake, ça sonne faux quand elle le dit, c'est... Ah bon? Ah, je suis encore faible, c'était sûr. Et on les casiers. Allez, balle magnum dans le coin. Voilà. Aïe, 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 trop de balles. Pour moi, il aurait fallu un degré encore plus difficile que le mode normal. C'est le mode le plus difficile du jeu. Parce que là... qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a plus d'herbe là dans le coin là? Ah, à la limite, je vais utiliser ça. On est OK. Alors, on va récupérer... par contre, le lance-flamme, on va le récupérer cette fois-ci. Parce que les plantes commencent à m'agacer. Donc, j'ai pas de lance-grenade. Donc, l'ascenseur, inutile pour nous dans ce scénario. Disque MO... Ouais, en gros, on va faire ce que fait Claire sans le vaccin. Alors, réactivons un peu l'électricité. On va refaire le guest hein, pour Claire. Mais bon, c'est vraiment inutile en fait. Pourquoi je le fais? Parce que Claire, elle va récupérer la mitraillette. Mais est-ce que j'ai envie de la mitraillette? Non, en fait. J'ai quand même pété de muni. Non, on va pas faire le guest, on va gagner du temps. Hein. On va faire les scénarios en A quand même. Non, on va pas faire le guest, je vous l'ai fait dans le premier let's play, vous savez ce que c'est. C'est soit vous avez la mitraillette et vous avez un chargeur de mitraillette complet, ou alors vous n'avez pas de mitraillette et ça vous donne la mitraillette en fait. Il n'y a rien de... De fou. En plus, il y a trois liqueurs qui peuvent me décapiter à tout moment. Trois liqueurs spéciaux plantes, là. Végétaux. Plus forts que les normaux. Ah, non, non. J'ai fait guest dans les premières parties. On va pas les refaire. C'est chiant. Hop. Alors, c'est parti. En fait, le labo ça va être expéditif en fait. Quand j'y pense là, ça va être assez rapide. Alors mettons en place le fusible sans l'oublier comme dans la dernière fois. Voilà. C'est allumé, c'est tout bon. Allez, on a 24 minutes de jeu, on est quasiment à la fin. C'est pas beau ça. On va encore se taper un classement A. Hein. Alors on va activer le truc bio. C'est pour ça que Léon n'a pas dû l'activer, parce que je l'activais avec Claire. Là il y a des zombies là. Ah non. On va l'activer tout de suite pour calmer tout le monde. Diffuseur gaz à beau, voilà, c'est pour les détendre. On va se prendre le lance-flamme par contre. Que j'ai envie de les cramer, ces bestioles, j'aurais dire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller s'embêter à aller là? Non, peut-être avec Claire à la limite, parce que Léon, c'est que des cartouches de pompe, et j'ai déjà une cinquantaine de cartouches.
On va pas y aller, hein, on va pas sans rien risquer nos vies, hein, et puis un beau classement A. Ah. On va continuer au calme. Bon, s'il y a des choses que je ne fais pas, c'est des choses que j'ai fait dans le scénario précédent. Vous pouvez revoir, bien sûr, dans la playlist. Cramon, ces immondices. Si pour ça, il faudrait peut-être apprendre à viser. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est cramé. Et ça bouffe beaucoup de lance-flammes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là maintenant? Scénario A, est-ce qu'on va se taper les zombies ou les liqueurs? Les liqueurs, on en aura quand même. Ok, liqueurs. On va peut-être dû prendre des soins. Allez, viens. Et d'un, allez, viens. Ah, tu le kiffes, mon pompe, hein. Il y a des soins ici, ça va. Je suis là, les mecs. Oh, vite, vise bien. Mais non. C'est pas grave, on a des balles. On a des balles, on est chaud, là. Il en reste, là? Même pas? Oh là, easy, easy. On va bientôt sortir le magnum, hein, je pense, parce que... Ah, si. Tiens. Tu l'as vu? Tu l'as vu, celui-là? Non? Bah, je te le montre. Écoutez, les plantes, comment dire, les gars, c'est vital, hein, c'est la vie, sniffons les plantes, vive les herbes, hein, prenons tout ce qu'on peut, et ici, normalement, il y en a un dernier. Non? Après. Il va nous tomber dessus, après. Donc là, logiquement, par contre, on va voir Annette. Ah oui, je me souviens de sa mort. Ah, j'adore la mort d'Annette. Ah là 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 là. On dirait bientôt Marion Cotillard dans Batman. C'est la mort débile du jeu. Bon, en fait, on a toutes les armes. Clé casier. On prend une clé casier, bien sûr. Les herbes, on va en enlever, hein, parce que là... On va en garder juste une sur nous. Le magnum, on peut se le préparer aussi pendant qu'on y est. Hein. Écoutez, nous ne sommes plus à 3 balles près. On va tout prendre. Équipons-nous pour la fin du jeu. Bon, je pense qu'on va bientôt utiliser les armes là, parce que. Bien sûr. Donc, on va récupérer la clé du labo. On récupère le disque mot. Et fin du jeu, au revoir Léon, terminé. Je vous ferai Hunk aussi, je pense, parce qu'on l'a débloqué, mais par contre, Hunk, comptez pas sur moi pour le finir. J'ai réussi à le finir hors caméra, je vous avais fait une vidéo du remake. Je l'ai pas fini, mais j'ai réussi à le finir quand même seul hors caméra. Alors celui sur PlayStation, j'ai jamais terminé. Oh. Le Hunk, il est affreux dans ce jeu. Je suis pas sûr, je ferai plusieurs essais s'il faut. On fera ça en commentaire, bien sûr, on commentera, mais... Comptez pas sur moi pour le finir. Hein. Allez, les onzons. On a de quoi faire. On a de quoi péter des têtes. On a des balles. Bouffez. Allez, messieurs, approchez. Je vous attends. Prenons la clé tout de suite et sauvons-nous. Oh, allez. Par contre, alors lui... Non! Tiens, oh, j'ai des balles, je m'en fiche, je m'amuse. Hein. Si on peut plus se faire plaisir, on est dans un jeu vidéo, c'est là, on est là pour ça, les mecs. Ah. Ah, Léon, dépêche, dépêche. Mais, j'ai visé en bas. On a failli se faire pécho. Bon, on va pas faire la mythe. Hein. Je vais juste débloquer la porte pour libérer l'objet de l'inventaire.
Donc le labo où s'est fait tuer mon petit William, c'était là. Et là, non, Ahmed, c'est pas maintenant, c'est après. C'est après. Je me demande si c'est maintenant. C'est... Non, elle parle après. On va d'abord débloquer là pour faire la place de l'inventaire. On va pouvoir jeter la carte après. Oh, les petites larves. Voilà. Oh, ça crache de l'acide, ces trucs. J'avais jamais fait gaffe. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire, là? Oh, on garde tout, on fonce, hein. Voilà, j'ai récupéré la clé qu'il me fallait. On prend le disque mot, on remonte, on descend, et c'est fini. Donc, en gros, vers 45 minutes de vidéo, on aura fini même avant, hein. On va utiliser le magnum, hein, j'ai envie de dire, les gars. On va en profiter, on a un super magnum qui tue. Ah oui, là, il y a le monstre. Allez, allons-y. Viens voir, papa. Tiens. Tu le veux, le magnum, hein? Tiens. Ça me fait plaisir. C'est vrai que la partie d'avant, on l'a pas utilisée, j'avais 50 balles. Attendez, les mecs, faut profiter un peu, là, les gars. Faut que ce soit jouissif, un peu, ce jeu. Au pire, il restera le pont pour le boss final, c'est pas grave. On a de quoi faire, on a des soins. Allons chercher le disque. Voilà. Plus besoin de la clé labo. Et là, alors s'il y a des plantes par contre, ça va faire mal. Oh, c'est des onzons. Attendez, les onzons, je les finis quand même aux pompes, hein, parce que ça m'amuse. Tiens. Attendez, on va allumer la lumière, quand même. Ah, il n'y a plus de balles magnum, par contre, ici. C'est des sprays, regardez, hein, au premier plan. Oh là, l'arnaque. On m'aurait menti. On me ment. Ah non, il y en a. Bon, en fait, on peut même utiliser le magnum tout de suite. Hein. Finalement. D'accord, 40 balles. Allez, pétage de tête. Qui veut que je lui pète la tête? Oh, oh, les deux. Oh, la doublette. Eh, c'est beau, ça. Ah, j'avais oublié, lui. À chaque fois, j'oublie. On récupère le disque. Pas de vaccin. En fait, c'est Claire qui a tout le boulot, en fait. Hein. Elle se tape tout, elle. Le scénario de Claire est carrément plus long. Hein. Et là, surprise. Je vais me taire. I know what you're looking for. You came for the G-Virus, didn't you? But you'll never take it from me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. What happened? La mort. Ouf, la mort débile, la barre de fer.
La barre de fer! Ah, c'est beau. Le virus! Attends, petite pause de seconde. C'est bon. Alors, voilà, là, ce que je disais, c'est la Marion Cotillard. Regardez, la mort débile. La barre de fer, il lui est tombé sur la tronche. Quelle mort débile, franchement. C'est honteux. Mais c'est honteux, comment faire mourir un personnage comme ça encore quand on se fait massacrer avec Claire par le G, je veux bien, mais là, quand même, c'est ringard. Et là, bah là j'étais étonné parce que forcément, quand on change de scénario qu'on est habitué au Léon B, on se dit, on va embrasser Ada, elle va nous protéger du tyran. Et là, quand j'ai eu ça la première fois, je fais énorme. On se laisse, silence. Voilà, magnifique scène, franchement, ils l'ont refait dans le remake, mais il n'y avait pas la musique et les sentiments n'étaient pas là. Là, c'est beaucoup mieux joué, franchement. Alors, pourquoi a-t-elle fait ça? Bah, tout simplement pour pas qu'Ada prenne le virus. Mais dégoûté que la scène soit aussi ratée et sans la musique, surtout, dans le remake. C'est tellement culte. La première fois que je suis tombé dessus, je fais « Ah oui, quand même. » Il y a de l'émotion, quand même. Bon allez, on se casse tout seul, hein. C'est bien le disque mot, hein. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai pris 15 points pour le boss final. C'est peut-être violent, là, quand même. En même temps, j'avais pas de mallette. J'avais pas de mal. On va aller vite fait à la salle de contrôle prendre des herbes. Qu'on ait de quoi sniffer, quand même, au cas où, hein. Ils font. C'est vrai qu'on se pose toujours la question, mais comment ils prennent leurs herbes en fait? Dans aucun Resident Evil, on voit comment ils. Ah, des onzons! Hop, 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 hop. Comment t'as fait pour me rater toi? T'es aveugle, hein? Ok, c'est comme ça, hein.
Allez! Mais venez! Bon bah voilà, c'est fait. On va se mettre le disque tout de suite. Mais c'est vrai qu'on se dit, on s'est jamais posé, enfin moi je me pose souvent la question, mais comment ils prennent leur herbe? Quand on voit qu'ils sont une petite mixture après, quand les herbes sont... Regardez, je suis bavette, quand on voit une herbe normale, ok. Là, quand on voit les herbes mélangées, regardez, sur un petit papier, une petite mixture, mais sérieux, ils ont une paille, ils la sniffent, ils font quoi avec leur herbe? J'attends des réponses de Capcom là-dessus. Hein. Ah, sur un petit papier, tu combines tes herbes, t'as un petit papier avec des herbes broyées, hein, t'as l'impression de voir les petites mixtures, là. Et vas-y, sniff. On va mieux. Alors, bah écoutez, on va garder le pompe au cas où, mais j'y crois pas. On va se prendre toutes les herbes possibles. Je doute d'avoir besoin d'autant de choses, hein, quand même. Mélangeons, oui. Prenons tout ce qu'il nous reste. C'est la fin. L'herbe bleue me sert à rien. Mais non! Mais tu vas me la prendre, cette herbe. Lance-flamme, mitraillette, ça sert à rien. Magnum, on recharge quand même au cas où, hein, mais bon. On va y aller au super magnum. Pas de sauvegarde, on est des fous. Deux sauvegardes dans le jeu, ça suffit largement. Si je meurs, c'est vraiment que je suis une quiche. Je l'affirme. Si je meurs, je suis une quiche, les gars. Vous aurez le droit de vous moquer dans les commentaires. Ce ne sera pas le cas. Pour vous dire à quel point je suis sûr. Hein. Allez! Ouais, 42 minutes. Allez, dans 3 minutes, c'est fini. Fin du match. 5 minutes. Until detonation. On s'est sauvé juste à temps, vous avez vu, les portes sont reverrouillées derrière nous. Le disque ne servira plus à rien. Allez! Le boss final de Léon. Avant de faire Claire. Il y aura beaucoup plus de boulot. Pauvre Claire. Toum, toum. Ah, copain! Tu m'avais manqué. Ah là 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 là, mais quel thème. Par contre, taux de recul de fou. Hein. Oh, déjà, 3 balles. Eh, vous avez vu, 3 balles. C'est overpété, les armes. Sérieux. C'est overpété sur les boss. Hein. On va peut-être se sauver tout de suite parce qu'il va me charger. Et on va recharger un peu le magnum, histoire d'avoir les 8 balles dans le chargeur. Regardez. Encore 30 balles, mais 30 balles, il va mourir le machin. Ah, il est là. Ah, je peux pas. Attendez. Je veux le viser. Il va me sauter dessus. Ah ! Oh, bien joué ! Mais attendez tellement pas. Ah, il est pas content. Eh bien. Oui, charge. Non, tu veux pas ? Oh, qu'il est méchant. On va se heal quand même, hein, on n'est pas des fous. Bon, je fais le bourrin ou pas? Je fonce de... Ah oui, quand même. Vite, libère-toi. Ah oui, mais j'ai volé sa mère. Oh, même avec Claire, c'est plus long que ça. Non, mais tu rigoles. Mais c'est quoi ce boss? Mais c'est un caca. Tu rigoles? Je suis encore à 45 minutes. J'avais dit 45 minutes, les mecs. Oh, l'arnaque. Et vous avez vu, 3 balles et 6 balles. 9 balles pour le tuer au Super Magnum. Non, mais vous avez vu l'arnaque. C'est quoi ces armes? C'est pété à mort.
La difficulté, les mecs, elle est où la difficulté? Ok, quand t'es gosse, tu galères. Mais pas là. Quand t'es adulte, c'est trop facile. Allez, fin. Fin du scénario A de Léon. Ah, Claire, on n'en a pas eu de nouvelles d'ailleurs, hein, comme Chéri était pas infecté là dans le labo. Impressionnant. Hein, dans ce scénario, on n'a pas eu beaucoup d'interactions par contre. Ah, Leon, tu connais pas, pourquoi tu l'appelles? Chéri va bien, mais. Goodbye, Ada. Et c'est vrai que là, lui, il a pas recroisé Ada du coup, qui lui lance le lance-roquette. Goodbye, Ada. Fini. Mais oui, c'est vrai que de toute façon, supposition, et c'est ce qu'on a vu dans le Dark Side Chronicles sur Wii, de toute façon, c'est que Ada a toujours, de toute façon, même depuis Resident Evil 4, voire même avant, je pense, à un pistolet crochet, un pistolet grappin. Donc, ce qui fait que je pense, quand elle a sauté dans le vide, il me semble que c'est ce qu'on voit à un moment dans le Dark Side Chronicle. Je suis plus très sûr, hein, mais il me semble qu'on voit une cinématique comme ça où elle utilise le pistolet grappin pour se sauver au moment de sa chute. Donc, voilà. Voilà comment elle s'en sort, hein, pistolet grappin, et voilà. Fin du premier scénario, voilà. Plus que Claire a terminé avant Hunk. Et on enchaînera, je pense, avec le Resident Evil 3 Nemesis, qui sera beaucoup plus difficile. Je pense qu'il y a des chances que je meure. Voilà, dans ma quête aux pièces d'armes, fusils et pistolets pour, pour tuer le Nemesis, on va rigoler, je pense. Surtout qu'il va nous courser un peu partout, je pense qu'on va se prendre des patates et tout, des tentacules de tous les côtés. Bon. Est-ce qu'on peut passer ou pas? Je veux voir. Est-ce qu'on connaît déjà? Non, on ne peut pas passer, malheureusement. Heureusement que ça va assez vite, ça dure une minute, je crois. 1 minute 30. Ouais, mais c'est vrai que le scénario de Léon est assez... Il me laisse un peu comme... je m'en souvenais plus autant à ce point-là, mais quand je revois le remake... Je me souviens du remake, quand je rejoue à celui-là, je me dis que le scénario de Léon, il est pas ouf, en fait. Avec Ada, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tandis que Claire, il y a plus de choses à faire, quand même. Il y a Veronica X avec Claire, faudrait que j'essaye de le refaire. Je l'ai fini une fois, il était super long, j'ai halluciné de la durée de vie, je l'ai. Enfin, peut-être qu'un jour je vous le fasse, peut-être pas maintenant, pas après le 3, parce qu'on va espacer un peu, parce que bon, bouffer du Resident Evil c'est bien, mais on va se calmer un peu. Le 3 je le fais parce que je pense qu'en 3 vidéos c'est plié maximum, 2 ou 3 vidéos. Hein. Mais Veronica X, faudrait qu'un jour je vous le fasse, mais même moi j'ai... Oh, il était super dur comme jeu. Pas mal d'énigmes avec deux personnages en plus. Allez, voyons voir le classement de cette troisième campagne. Troisième campagne, attention. Je veux un beau classement. Je pense que c'est jouable, là, on va pas se mentir. Attention, c'est parti. Et voilà, rang A. À 4 minutes, je crois que j'avais le S. Je crois qu'il y a un rang S. À 4 minutes, j'avais le S. Mais c'est vrai que des fois, je fais des trucs aller-retour pour rien ou des choses comme ça. Magnifique ! Troisième scénario en A. Procédons à la sauvegarde pour enchaîner avec Claire, s'il vous plaît. Et on a gagné en plus le lance-roquette infini. Et voilà, ne pas utiliser le lance-roquette, sinon on perd un point de classement.
Et je ne veux pas. Et avec Claire, normalement, si je finis, j'ai la Gatling. La Gatling, c'est pas mal aussi. Parfait. Donc, sauvegardons. Je ne sais plus où. Salle de pompage, c'est la fin. Salle d'attente, de toute façon, tout ça, c'est bon. Voilà, Claire B. Que nous allons attaquer pour la prochaine fois. Voilà les amis, c'est la fin du scénario Léon de Léon tout court, tout simplement sur Resident Evil 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye tout le monde et portez-vous bien.